se retrouve pour une petite vidéo, je l'espère rapide, et qui va, je l'espère, vous aider aussi avant la fête des mères, puisque j'ai décidé de vous concocter 8 petites idées cadeaux assez basiques, mais je trouve indispensables à avoir en tête quand on a décidé d'aller à la recherche d'un cadeau pour sa maman. Donc ce sont des cadeaux que moi j'aurais aimé recevoir. Je ne sais pas ce que je vais recevoir à la fête de mère, parce que nous on se fait des petits cadeaux, mais voilà. Je sais que je vais avoir des petites choses fabriquées par mes enfants grâce à ma nounou. Mais voilà, c'est des petites idées, je me dis que voilà, ça peut toujours servir comme vidéo, ou quand on est un petit peu en galère d'idées, voilà, ça peut servir. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire les idées cadeaux que vous avez eues, si elles sont beaucoup plus originales, ou si vous êtes comme moi plutôt dans la simplicité et l'efficacité. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc 8 types de cadeaux qu'on peut faire. Bien sûr, dans certains cas, il y aura des partenariats, des choses que j'ai reçues, pas forcément pour l'occasion, mais que j'avais reçues, que j'étais bien contente de recevoir, donc je me dis que ça peut être une belle idée cadeau aussi. Et puis, il y aura des trucs que j'ai reçus en cadeau ou que j'ai voilà, que j'ai accumulé à la maison, que je me suis acheté pour me faire plaisir, donc je me dis que ça peut toujours faire plaisir. Première idée cadeau, qui me paraît être la plus basique, je trouve, que vous devez sûrement tous avoir eu en tête au moins une fois, ce sont des fleurs. Alors là, je vous présente des fleurs en plastique parce que je n'ai pas de vraies fleurs à la maison à vous présenter. Ce sont des fleurs en plastique voilà, que j'ai achetées chez Audio. D'ailleurs, elles sont vraiment sublimes pour des fleurs en plastique. Hein. Bon, il coûtait assez cher le bouquet de fleurs hein, de rose. Il coûtait 10€ chez Audio, mais je le trouve vraiment très très beau. Mais il y a aussi les vases. Alors vous allez vous dire, oui, on peut offrir un vase à la fête des mères. Mais oui, pourquoi pas, avec des fleurs dedans, bien sûr, c'est toujours mieux. Et celui-ci, c'est un vase personnalisé que mon mari m'a fait faire à la fête des mères, justement. Je ne sais pas si vous verrez ici, vous avez une étoile avec des strass de Swarovski. Et il y a écrit bonne fête maman de la part de Kayla en mai 2016, donc c'était il y a 2 ans maintenant, donc elle avait 1 an ma poupette, donc c'était une super idée cadeau je trouve, c'était hyper original. Et bien sûr voilà, avec le petit bouquet de fleurs à l'intérieur, c'est trop cool. Bon, c'est hyper discret hein. C'est pas la gravure qui flash, mais je trouve ça très très sympa. Je crois, si je me souviens bien, que c'était chez Interflora, mais à vérifier, et si je retrouve le lien je vous mettrai en barre d'infos bien sûr. Deuxième idée cadeau, mais assez basique encore une fois, mais moi je trouve que c'est une idée cadeau, mais qui est juste magnifique. Vous savez que je suis fan de photos, j'adore en faire, de mes enfants, comme vous, je pense, avec les smartphones maintenant, c'est quand même assez facile. Et du coup, on oublie parfois de développer ses photos. Et depuis que j'ai découvert l'application LalaLab, je vous avoue que je développe quasi toutes les photos que je fais dans, pas toutes, hein, je sélectionne, mais en tout cas tous les grands moments que j'ai pris en photo lors de... d'événements familiaux, etc., et ben je les développe sur l'application de LalaLab. Vous savez, je vous en ai parlé déjà des milliards de fois, à chaque fois je vous mets des codes promo en barre d'infos si ça vous intéresse, mais je suis fan et ils font différents petits types de box comme ça, différents types de formats, des grands formats de photos, des petites photos comme ça, un peu style vintage, plein de choses ils font sur cette application, et ils font même des albums photos, donc si vraiment... vous cherchez à imprimer des photos pour pas trop cher avec des codes promo parce que LalaLab sont hyper généreux en codes promo, n'hésitez pas à aller vous voir sur cette application. Je vous montre quelques petits exemples de photos, mais voilà. Ce sont, voilà, là la Biggie Box par exemple, c'est une box comme ça que vous recevez avec tout un lot de photos, je ne sais plus exactement de combien à combien de photos, je crois de 30 à 70 photos vous pouvez avoir à l'intérieur. C'est vous qui choisissez bien sûr le nombre de photos que vous voulez. Alors bien sûr, dans toutes mes photos, il y a les photos de mes enfants, forcément, puisque bah, c'était, j'essaye de faire l'évolution de mes enfants, donc j'aime bien montrer, me faire des petits développements photos. Mais voilà un petit exemple, là c'était mon mari et moi, donc pour je ne sais plus quelle occasion, nos 7 ans de mariage. Donc voilà, j'avais développé, là quand j'étais partie en vacances dans le sud, rejoindre ma petite Jennifer de la chaîne Jennifer Passion. Donc vous voyez, vous avez des cadres, vous pouvez personnaliser chaque photo. Donc je trouve l'application vraiment très très sympa. Et il y a même une petite dédicace derrière la boîte, c'est aussi bien, aussi sucré que des chocolats, c'est trop mignon. Donc voilà, LalaLab, encore une fois je vous en reparle, mais moi je suis fan. Ensuite, là d'ailleurs, dans ces deux petites choses que je vais vous présenter, il y a des gros bons plans. En numéro 3, et des cadeaux assez basiques, ce sont les bougies. Moi, je suis fan de bougies, ma maman est pas trop fan, donc c'est pas le genre de cadeau que je lui offrirai, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui adorent les bougies. Première bougie dont je voulais vous parler rapidement, ce sont les bougies de chez Mercy Andy. Voilà, si vous voulez l'offrir avec un gel antibactérien, vous avez des codes promo qui existent, dont le mien, je vous mettrai en barre d'infos. Vous pouvez lui offrir avec des gels antibactériens ou juste la bougie comme ça. Moi, c'est la Black Vanilla qui sent
Divinement bon d'ailleurs, c'est une de mes préférées chez Mercier Andy au niveau des odeurs et la bougie est très très bien. C'est une bougie qui embaume plutôt bien, vous voyez elle a pas mal brûlé d'ailleurs, peut-être déjà 6 heures je pense. J'ai terminé une autre de ces bougies là, je vous en parlerai dans une vidéo produit terminé. Mais voilà, c'est une bougie que je vous conseille puisqu'elle est très très bien, elle est made in France, elle est dans un verre que vous pouvez réutiliser après. Elle est vraiment très sympa et elle sent très bon. Et du coup je trouve que ça c'est une idée cadeau quand même hyper sympa. Vous avez, si votre maman est vraiment une grande fan de bougies et qu'elle adore Yankee Candle, parce que Yankee Candle c'est quand même assez réputé dans le monde des bougies, moi j'ai commandé celle-ci sur le site Beauté Privée. Je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos. C'était un énorme bon plan, elle était à moins 40% je crois, je l'ai payé 14 euros au lieu de 29 euros. C'est le plus gros format que vous trouvez chez Yankee Candle au niveau des bougies. Je ne sais plus combien d'heures ça se consume, enfin voilà. Et là, c'est une odeur qui me plaisait bien. Alors, vous n'avez pas 50 000 choix sur Beauté Privée, forcément, c'est un peu du déstockage. Mais là, c'est Egyptian Musk, musc égyptien. C'est une petite odeur de musc, de ambre. Je la trouvais. Enfin, en tout cas, au niveau des descriptions, ça me paraissait pas mal. Et au niveau de l'odeur, c'est hyper doux. Je pense que ça plaira à toute maman. Oui, vraiment à toute maman, parce que c'est une odeur douce, un peu cocooning, mais voilà, en même temps, qui peut se faire chauffer à cette période de l'année. Enfin, se faire chauffer, oui, se brûler à cette période de l'année. Donc voilà, au niveau des bons plans sur Beauté Privée, il y a vraiment des gros bons plans. Et ça nous emmène à la suite de la vidéo, puisque regardez ce que j'ai trouvé sur Beauté Privée. Oui, j'ai passé une commande la semaine dernière, donc sans forcément penser à la fête des mères, mais en fait, ma mère était là quand j'ai commandé et elle m'a dit ça valait trop le coup, elle m'a dit c'est trop une bonne idée. Donc je lui ai commandé un petit parfum, elle adore les parfums, ma maman elle est comme moi. Donc voilà ce que je me suis commandé sur Beauté Privée et regardez ces deux parfums là qui sont de marques très connues. Le Sweet de chez Lolita Lampica qui voilà, qui m'a coûté exactement 19 euros, un 30 ml. Je crois que ça doit coûter le double au magasin, je vous mettrai le prix ici du prix d'origine de base. Donc ça c'était gros bon plan, ça fait très longtemps que le So Sweet je le voulais dans ma petite collection de parfums, mais voilà, à chaque fois je résistais et là c'était l'occasion, à 19 euros je l'ai pris. Et alors celui-ci de chez Courrèges, si vous me connaissez bien et que vous suivez toutes mes vidéos, vous savez que je l'ai déjà. Oui, donc je l'ai pris pour ma maman, moi je l'ai reçu par la marque Courrèges. C'est un parfum que j'adore, que je n'ai pas encore terminé parce que chez Courrèges je termine tous mes parfums quasi, mais celui-ci je ne l'ai pas encore terminé. C'est une odeur un peu plus hivernale, hein. C'est pas vraiment pour la saison du printemps je trouve, mais je l'aime beaucoup. Il a une petite bouteille comme ça, très jolie, très mignonne. Donc dans son coffret, et bah celui-ci en 30 ml, il m'a coûté 7 euros. Donc ça vaut vraiment le coup si vous voulez faire un cadeau parfum pas cher sur Beauty Privé. Vous trouvez vraiment des prix de dingue au niveau des parfums et des parfums de marque. En cinquième idée cadeau, j'ai décidé de vous parler de Box. Vous savez, si vous êtes à l'arrache et que vous avez envie d'offrir un cadeau à votre maman, eh ben c'est cool de lui offrir aussi des abonnements Box Beauté. Parce que ça, c'est toujours sympa et ça fait toujours plaisir. Une box, par exemple, un abonnement de 2 box ou 3 box, c'est super sympa et moi j'adore. Ma mère, j'en ai déjà offert plusieurs fois et elle adore recevoir ces petites box. Comme ça, ça lui fait plaisir. Juste 2-3 mois, histoire qu'elle ait des petits produits à tester et pas forcément sur un an. Et elle est trop ravie. Mais depuis que j'ai découvert la Bird Box, si vous... vous êtes un papa et que vous passez par ici, je pense que c'est le cadeau à faire à votre femme si vous avez une fille aussi. C'est la fameuse box maman-fille. Je vous en avais déjà montré 2 où je les avais ouvertes avec ma fille. Je trouve que c'est un vrai moment de plaisir d'ouvrir cette box avec sa fille. Là, je vais l'ouvrir avec vous, mais après, je vais le rouvrir avec ma fille, nous-mêmes, toutes les deux en amoureux. Cette fois-ci, on va le faire que nous deux ensemble. Il faut avouer que la dernière fois, on a fait un peu des catastrophes toutes les deux réunies. Donc là, je vais l'ouvrir toute seule. C'est la Bird Box des fêtes de maman, là, du mois de mai. Je cherchais le mot. Et vous avez un énorme code promo avec mon nom, Karine Misbook, de moins 10 euros sur votre box. Donc si vous voulez craquer pour l'offrir à votre maman ou à votre femme, si vous êtes un papa qui passe par ici, honnêtement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Moins 10 euros sur ce prix-là, c'est top. Cette box-là est donc destinée aux mamans. Elle s'appelle M comme maman. Elle est hyper sympa et on va découvrir tout de suite les petits produits à l'intérieur. Donc déjà, je vois que par exemple sur cette box-là, vous avez une crème veloutée nourrie, apaise, protège, peau sensible, donc une crème au lait d'anesse. Donc ça... parfait, parfait, parfait. Un petit washi tape, donc ça c'est pour la petite crapouillotte. Donc ma fille avait très ravie, c'est un petit washi tape, vous verrez pas trop, avec des petits grenouilles, des petits ours, des petits animaux comme ça.
À l'intérieur, vous avez des petits produits de beauté pour vous, des petites choses pour votre fille, et en plus, vous avez une activité manuelle à faire ensemble. Donc moi, je trouve que c'est une box qui permet de passer du bon temps avec sa fille, donc c'est quand même une super idée cadeau. En plus de la marque Les Ânes d'Antan, d'ailleurs c'est une marque que je connais déjà je pense, on a eu des petits échantillons comme ça, en plus de la crème. On a eu pour les mains une crème Merci Andy, que dire, Hello Sunshine, donc voilà, parfaite pour la saison encore une fois et pour maman. Pour ma petite crapouillotte, oh c'est trop mignon, on a eu des stickers comme ça, bon je sais pas si ça servira à elle ou à moi, parce que moi j'adore les stickers, des stickers de Alice au Pays des Merveilles, je cherchais le nom, donc ça c'est hyper cool, ça servira pour moi et ma fille. Oh on a un petit collier comme ça avec un petit chat, oh là là ma fille elle va être aux anges, donc vous voyez c'est une box qui vraiment fait plaisir aux deux et moi je trouve ça trop mignon. Regardez-moi ça, elle est trop mignonne. Oh ça, elle va adorer ma chérie. Oh là là. Et on a un gros paquet comme ça à l'intérieur avec, je pense, tout ce qu'il y a à faire soi-même. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est donc? Déjà, ça envoie du lourd. Je pense que c'est pour réaliser des gâteaux, quelque chose comme ça. Oh, c'est super sympa. Non mais, voyez, c'est vraiment une activité qui... Oh là là, j'adore cette box, enfin bref, ça vous l'avez compris, ça fait déjà 3 fois que je vous la présente et je pense que moi-même je vais me prendre un abonnement pour continuer à la recevoir avec ma fille. Donc là c'est des gâteaux à faire soi-même, on a une pâte pour les réaliser soi-même, donc les petits moules pour faire soi-même et la recette ici, bon. Cette box est juste divine. Un sixième idée cadeau, forcément les coffrets beauté, c'est quand même un cadeau qui se fait hyper rapidement. Si vous êtes en galère de cadeaux, vous allez à une parapharmacie ou chez Sephora et vous trouvez toujours un petit coffret beauté, pas très cher, très sympa à offrir. Moi j'ai acheté cela en solde de chez Sephora, de chez Rituals, mais je pense que ces coffrets vous pouvez encore les trouver, c'est tout le temps, toute l'année. Et celui-ci est juste terrible, c'est The Ritual of Ayurveda qui est une odeur vraiment divine, un peu de rose indienne, mais ça sent pas la rose du tout qu'on connaît, hein. Et les amandes, enfin, j'adore cette odeur, donc ça c'est le genre de coffret que vous trouvez chez Sephora. Sinon vous avez aussi les petits coffrets en parapharmacie comme ceci de chez Garantia, avec un petit peu un mix de produits hyper sympa, le packaging comme ça hyper girly, donc ça vous pouvez trouver toujours des petits coffrets comme ça très sympa. Et pour finir, par exemple ce type de coffret là que vous pouvez trouver aussi chez en parapharmacie avec les crèmes pour les mains, les choses comme ça, et là c'est de chez Roger Gallet, c'est la gamme au gingembre rouge qui est une gamme que j'adore. Donc c'était pour vous donner des petits exemples de coffrets, mais je trouve ça toujours sympa les coffrets à offrir, c'est une belle un beau petit cadeau. Pour finir, ça c'était un cadeau pour ma maman, je pense que, enfin pas celui-ci, mais ma mère elle adore ce genre de cadeau là, donc je pense que je vais me tourner vers ça pour elle aussi. Elle aime pas les fleurs, mais elle aime ce genre de cadeau utile et pratique. Voilà, les gadgets un peu pour les femmes qui aiment bien s'entretenir et qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de prendre soin d'elles. Donc là par exemple, moi je l'avais reçu il y a longtemps, maintenant ça fait combien de temps que je l'ai dans ma salle de bain? Ça doit faire au moins 2 ans, c'est la brosse Visa Pure de chez Philips. Moi, je l'aime beaucoup, je n'utilise pas tout le temps, mais j'utilise à peu près 2-3 fois par mois. Je l'aime beaucoup, donc ça c'est un cadeau pour une maman qui aime entretenir son visage, etc. Ça peut toujours faire plaisir. Ou ce petit truc-là, qui est très utile aussi. Alors moi, il faut savoir que je m'épile, mais il y a certaines zones du corps que je rase. Donc là, j'ai trouvé ça très sympa que Philips fasse une sorte de combo, une sorte de big rasoir comme ça, qui fait un peu style effet épilateur, mais qui ne fait pas mal. Hein. Donc c'est un rasoir comme ça de chez Philips, le Satin Shave, qui est un rasoir tout simple, utilisable sous l'eau et à sec, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche, qui s'utilise sans fil. Donc moi je l'ai trouvé très sympa, et ma mère quand elle l'a vu, elle avait envie de me le piquer. Oui oui. Regardez-moi ce design, il est juste magnifique déjà comme cadeau. Bon, vous allez vous dire, elle trouve beau un rasoir, mais voilà, c'est un rasoir high-tech. Et du coup voilà, il se présente comme ceci, il a plusieurs lames là, comme là. Et alors on l'a essayé sur ma mère, oui oui, on a fait le test sur elle directement, puisque quand je l'ai reçu, elle était là. Et ça marche très bien, mais je pense que sous l'eau c'est encore mieux, parce qu'on l'a utilisé à sec pour tester comme ça, et sous l'eau il est encore mieux, donc ça je vous en parlerai bien sûr dans d'autres vidéos quand je l'aurai un peu plus testé en profondeur, surtout pour cet été je pense qu'il va me servir, bah voilà, quand je vais partir en vacances et que j'aurai pas spécialement d'esthéticienne sous la main, même si j'épile
on va dire, certaines zones, absolument, je ne veux pas raser à certaines zones, mais d'autres zones où je rase, donc ça me servira très bien, je vous en reparlerai bien sûr très prochainement. Et ma mère, elle, alors je ne voulais pas montrer, mais je vais lui offrir un épilateur électrique, parce qu'elle voulait absolument un épilateur électrique, donc je vais lui en offrir un de la marque Philips, parce que je reste assez fidèle à Philips ou à Braun. Et la dernière idée cadeau, qui est quand même une idée aussi, encore une fois, basique, rapide, si vous ne savez pas quoi offrir, c'est les sortes de petites smart box. Vous savez, ces espèces de box comme ça que vous recevez. Celle-ci, c'est mon mari qui l'a eu en cadeau de départ. Mais voilà, c'est cool. Ça, j'en aurais bien offert une pour ma mère en mode détente, choses comme ça. Ou une journée dans un château. Vous savez, c'est ces petites box comme ça qui vous font un peu vendre du rêve et qui coûtent pas très cher. Ça va entre 30 et 60 euros, je crois. Donc, même là, celle à 30 euros, moi j'en ai déjà testé une qui est très très bien. Donc ça, c'est vraiment l'idée de dernière minute, encore une fois, qui est très sympa. Voilà pour toutes mes idées cadeaux, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos s'il y a des choses qui vous ont plu, si le bon plan vous a plu aussi sur Beauté Privée, si la box Birds Box vous plaît aussi et que vous avez envie de craquer, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et me dire vos idées cadeaux à vous. Je souhaite encore une fois une bonne fête des mères à toutes les mamans et j'espère que vous allez passer une belle journée en ce dimanche 27 mai je crois, oui je crois que c'est ça, en ce dimanche, une belle journée avec vos enfants et votre mari. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Salut !